Salut. Bon, pourquoi se faire voir et surtout ici? Toi, t'es scientifique, hein? Oui, c'est un fait. Pourquoi? Tu sais des choses sur le feu? Ben, je sais que le gouvernement, c'est juste eux qui ont la seule unique source et que personne ne peut en faire. Personne ne peut en faire? C'est prouvé scientifiquement. Mais j'ai réussi. Arrête, tu vois la tête. Non, j'ai réussi à m'en faire. Crois-moi. Montre. Mais je sais pas comment. Je peux pas voir ce que je ne vois pas. On peut faire du feu. On peut l'en faire. Je me souviens plus comment j'ai fait, mais j'en ai fait. C'en était légendaire. Mais là, moi, Nino, je suis capable d'en faire. Puis, s'il y a une SICA, une scientifique, c'est même pas c'est possible. J'aurais quand même pas rêvé, je sais que je l'ai fait. Je l'ai fait. Je sais juste pas comment. Bien, merci beaucoup pour votre temps, mais ici là. Tout le plaisir est pour moi. Vous savez, entre collègues, on peut s'aider. Vous avez votre article, et moi je suis débarrassé de quelques problèmes. Quelques... Passez une excellente journée. Que des imbéciles, ceux-là. Chacun d'entre eux, chaque habitant, des imbéciles, incorrigibles, à croire qu'ils ne seront jamais plus que de simples, incultes cadavres ambulants. S'ils savaient, voilà plusieurs milliers d'années que mon ancêtre a découvert l'invention ultime, celle qui est la source d'énergie dans le monde d'aujourd'hui, le feu. Qui aurait cru qu'on réussirait ne serait-ce qu'une semaine après sa découverte à cacher le moyen de le fabriquer? Et pourtant, voilà plusieurs milliers d'années qu'il ne se doute de rien. Ces ivrognes de chaleur nous croient sur parole quand on leur sort nos blasphèmes sur tout le monde d'aujourd'hui. Gao, que fais-tu là? Ne me dis pas que t'es venu à parler du feu ou d'une certaine façon d'en produire, parce que c'est strictement impossible. Chien, écoute, moi, j'ai passé toute la journée à penser, à réfléchir à comment j'aurais pu en produire, mais je... Gao... Juste, fais-moi confiance. Juste cette fois, je te dis, j'ai raison, je te promets. S'il te plaît, seulement tu me croyais. Bon, roule-toi, j'ai pas juste à faire. Ok, ben... Je crois en... Avec deux roches? C'est du feu, ça? Ouais. T'as réussi à faire du feu, mais c'est incroyable! C'est une redécouverte! Il faut absolument qu'on promette quelqu'un. Je sais pas, le président peut-être. Go. Encore cette année, nous invitons nos dignes habitants SICA à la fête annuelle de la flamme éternelle. Donc, nos invités d'honneur, Monsieur Carta et les Bardas. Les habitants Nino, qui sera guidé par Rico et son frère Moulo, vont bien nettoyer notre belle ville après les festivités. Mais je me sens généreux. Je vais offrir aux habitants de Nino des gants en plastique recyclable pour les remercier de leur bon travail. Merci beaucoup et bonne soirée! Monsieur Silla, attendez! On va faire une Non, fait.
Je ne sais pas la sauvegarde. On a réparé du feu. Je ne peux pas vous croire, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Faites-nous confiance. Ah, suivez-moi. Croyez-nous, monsieur Silla, nous ne sommes pas fous. Ah, je sais bien, jeune fille. Oh, hein? Oui? Oh, quel honneur. Non, mais... Chia, s'il nous croit, pas la peine d'insister. Il nous emmènera pas chez Gris. Ah, détrompe-toi, jeune homme. Je vais bien vous envoyer chez les Gris. Mais pourquoi vous envoyer chez les Gris si vous me croyez? Mais je vous crois. Mais... personne ne doit savoir que la flamme éternelle n'est pas éternelle. Je fais seulement ce que mon père a fait avant moi et que son père a fait avant lui. Pour la même raison que tout le reste, l'argent. Sais-tu combien me ramène l'industrie flambante chaque année? Des milliards, chérie. Des milliards. Si je révélais au monde entier que faire du feu était aussi simple que d'attacher ses lacets, l'économie mondiale tomberait. Je ne peux pas permettre ça. C'est mon devoir de président. Allez, prends. Au revoir.